moi-même, je ne sais pas pourquoi ça marche parfois et pourquoi parfois ça ne marche pas. En fait, ce que je fais là, c'est que je cherche. Quand tu t'engages dans un projet comme celui-là, soit tu es capable de rester jusqu'au bout, soit il faut changer de métier. Les gens ne veulent que ça, c'est leur donner les réponses au début. Et je dis, mais pourquoi donner les réponses au début? Parcours ta vie. On a beau essayer toutes les lois, chaque fois qu'on se retrouve devant le plateau, paf, elle se casse la gueule parce que chaque fois, il faut se réinventer. Something that I've taken from him is everything is always like beyond his expectations. You think he's got something and then he hasn't. So it's very hard to sum up. He's very passionate, he's very direct. You don't understand where he's going. You never understand. To try and understand what he wants is beyond me. It's difficult. But then when you see it on stage, it's you see, okay, I see where he's going, you know, and it is, it's amazing. He really brings something out of nothing. On a tous une exigence, et moi je me dis, moi je suis vraiment très exigeant envers moi-même, tu sais, je suis... mais moi je te dis, s'il y a une personne qui peut être plus exigeante que moi envers moi-même, ben c'est Franco. C'est quelqu'un qui va te pousser, qui va te révéler, c'est quelqu'un qui va t'amener ailleurs. Quand j'ai connu Franco, j'étais surprise, hein, surprise de sa façon de travailler. Je rencontrais personne comme ça. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'est ni bien ni pas bien, c'est que c'est comme ça. When you would first start working with Franco,
might be a little bit surprising. But I think also as the years have gone by, it's much easier. I guess there's a complicity that installs itself, and it's much easier to deal with because you can always know what's predictable is that it will be unpredictable, which is really helpful to know when working with Franco. Les gens qui essaient de deviner ce qu'il y a dans la tête de Franco pour essayer de satisfaire, ça va pas, quoi. Il faut vraiment apporter de l'inattendu. Il cherche pas à retrouver dans les propositions des gens ce que les gens ont pensé que Franco avait en tête. Je pense que le minimum qu'il faut donner, c'est le maximum tout le temps. Si c'est le cas, Franco va embarquer, quoi. Il va adhérer. Ouais, je sais pas si je le comprends, j'essaye en tout cas de le suivre et de voir où il veut aller voir. Je pense que Franco, il sait surtout où il ne veut pas aller. Donc après, c'est à chacun de trouver le chemin. Franco, il cherche un langage à qui accordé avec les gens qu'il y a devant lui. Comme celle-là, c'est travailler avec l'autre, c'est parler avec l'autre. Et les gens, qu'ils soient entraîneurs, qu'ils soient coachs, qu'ils soient éclairagistes, techniciens, s'ils ne défendent que leur département, s'ils ne défendent que leur ego, on est foutu. Plutôt que d'aider, si on partageait, ça c'est différent. Partager, c'est un peu plus impliquant. Quand je fais ce travail de création, j'ai l'impression qu'à certains moments, j'oublie vraiment l'avant, l'après, je suis sur l'instant. Et le théâtre, c'est ça. C'est comme la méditation. La méditation, c'est être capable d'être là, pas un millième de seconde avant, pas un millième de seconde après, à l'instant même. Au rendez-vous avec soi-même, dans les fractions de seconde, chaque fois qu'elle passe. La chose la plus importante que j'ai apprise, le travail que j'ai fait avec les non-acteurs, c'est aiguiser mon regard, c'est me mettre à la disposition de ce qui est, et non pas de ce que je voudrais qu'il soit. Parce que ça, je ne sais pas, je ne peux pas le contrôler. Tu comprends? Et ça, c'est vérifier. Autant avec le travail corps à corps que je faisais et que je refais avec l'acteur, avec le plateau. Je n'impose pas un scénario. J'aide à révéler le scénario.
ce que je veux faire, c'est ne pas faire dire à l'artiste ce que j'ai dans la tête, mais je veux lui faire dire ce que lui a dans la tête et dans le corps, est-ce qu'il est capable de dire. I don't know who you are. I respect you as individual. When I'm gonna talk to you when you are there, I'm gonna talk to the possible, the potential character. Surtout quand tu as fait ça plusieurs fois, il faut redire toujours les mêmes choses, puisque le casting que nous avons, les gens que nous avons, pour la plupart, beaucoup d'entre eux, c'est, je veux dire, ils n'ont jamais fait de théâtre. Donc il y a toute une série d'indications qu'il faut leur donner. Si je dois m'amuser à donner les indications de manière théorique, c'est un peu ennuyeux, et pour moi, et pour eux. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaie de trouver quelque chose qui pourrait attiser ma curiosité, et donc m'amuser aussi. Parce que dès que je m'ennuie, je suis plus bon pédagogue. Fait que le bambou soit un ingrédient qui va faire partie du spectacle, ça me servait à moi comme support pour pouvoir exprimer toute une série de principes. Et si on regarde et on fait un peu attention au théâtre, les règles de cohabitation sur un plateau, ce sont des règles extraordinairement pertinentes pour la vie de tous les jours. Stage, even though you are the strongest performer on stage, if you are not at the right place, you look ridiculous. And me, I don't want that you look ridiculous. Somersault or double, triple, blah, it's not enough. And I always can find somebody better than you, but I can never find somebody to replace you. You understand what I mean? So what we need is this, to try to be as close as possible to what you are. And don't take it for granted. Really be there, okay? Because you are very precious for us. Le cœur est au centre de tout. La peur qu'on avait, c'est que l'humain n'ait pas la place par rapport à la technique du spectacle. Et on s'aperçoit que l'humain aura sa place. Ça ne va pas être qu'un show technique. Thank you.
y a des artistes qui s'étonnent eux-mêmes de faire tel ou tel acte de la façon que Franco leur demande, et peut-être qu'ils n'auraient jamais pensé en arriver là, quoi. Et c'est là que ça devient formidable, quoi. Il fait sortir des choses encore inconnues, surtout pour des gamins qui n'ont pas un vécu d'homme, d'être humain si grand que ça. C'est là-dessus qu'il est très fort, Franco. Il va arriver à leur faire sortir le jus de leur cœur. C'est un réceptacle, c'est un récepteur de toutes les peines, de toutes les joies. C'est une antenne, c'est un radar qui reçoit. Si tu n'es pas aussi sensible, mais tu ne transportes rien, tu ne transformes rien, tu ne transmets rien. Ces gens-là, il va y avoir de la chair et il va y avoir une âme qui va se construire, et tous ces petites molécules qui viennent de la soupe originelle qui était notre studio ici pendant 10 mois, cette soupe originelle va donner vie. On voit là un peu les premiers batraciens sortir de l'eau, et petit à petit on va commencer à grandir et voir apparaître la vie. On commence à parler de l'humanité. Et dans une salle de répétition, doit converger vers une chose, créer l'instant magique, sublime, théâtral, qui généralement ne dure que quelques secondes. This is a stage. It's not a training room. You can hide nothing. We see everything, especially what you try to hide. There's loads of stories that I was told before I came of how Franco can be very hot-headed. He's very sharp, you know. As soon as you do something wrong, he's very sharp. But the rules are very simple. You are bullshitting me, and you have to be careful. If I get angry, you're gonna see it. Sometimes he push me. Sometimes I go.
but sometimes I resist. And it's not easy for both of us. I cannot resist too much, but I also cannot be swallowed by Franco too much. Guy, if you are not more concentrated, you can change your job, I told you. We don't know exactly what Franco, he explained us what he wants, but we don't know how show this. Listen what I say, not what I did not say, or not what I will tell, only what I tell. I need to do that, I need to do that. I didn't understand that, I can't ask, can I ask? Ça peut aller très très vite, tu mets juste un pied sur scène et t'es déjà en dehors de la scène. Un état d'urgence permanent. Mon rôle, c'est celui-là, c'est de provoquer l'incident qui va nous émerveiller. C'est de faire tout bouger afin qu'apparaisse le moment magique de théâtre. Je me vulnérabilise, je m'expose exprès, et je dois même faire attention de ne pas trop m'exposer, parce qu'autrement, à la fin, on va peut-être ne plus croire à ces dangers que j'invente, à ces sarcasmes que je lance, ou à ces piques que je lance. J'ai pu être méchant. Je le regrette quand je suis méchant, surtout vis-à-vis de certains. The communication is a precious thing that humanity still try to understand. The indulgence towards each other, it's the most difficult thing to have. So we need to be very rigorous, but indulgent toward each other. We are not the strongest directors on earth. We are not having the strongest performance on earth. We are not having the most beautiful costume on earth. We are not having nothing the most better on earth. But all together, we have the best show on earth. Please, let's be together like one, extremely focused and concentrate.
death will bring us to a kind of knowledge and a collective fusion that will make the show different. The way you do the show, people will feel when we play the show. Franco, il nous donne des pièges, des endroits pour nous, pour explorer, et puis on propose. Et lui, c'est clair qu'il va choisir ce qui lui plaît, ce qui l'accorde, son propre poésie, son propre intérêt. Avec Franco, il y a tellement de choses en tête, il y a tellement de choses à placer, c'est que si je m'abandonne à lui complètement et je n'arrive pas avec des propositions, ça serait assez ennuyant pour lui et pour moi aussi. It's a challenge, it's an everyday challenge. It's an everyday reinvention. You need to retain a sense of focus on the long-term picture. It's very much a marathon, not a sprint. I feel more confident on the stage. I know more what I should do, in which moment. Before, sometimes he asked me, where will go upstage? I don't know. I don't understand upstage. I just like this, I move there, upstage, backstage. So now I understand. Where will go upstage, left? I know where I have to go. Yeah. Sometimes if I don't know the English word or I like to speak something, but my English is not enough, so keep with the body language. Énormément de choses, mais c'est grâce à eux parce qu'ils étaient vraiment en demande, donc ils ont tout reçu. Même Dieu, nos petits
nos petits 50 ans, on apprend encore et j'espère bien qu'on va apprendre encore dans ce métier. C'est des vraies histoires qui se passent entre ces gens et nous, entre ces artistes et nous. Donc c'est... ouais, j'ai appris beaucoup. On peut pas rester intact et se dire « non, j'ai rien appris, non, c'est impossible ». Ils ont choisi un métier. C'est plus de la compétition, c'est un métier. Ils vont gagner leur vie, ils vont pouvoir manger grâce à tout ça. Il faut qu'ils le fassent de la façon la plus professionnelle possible. Et surtout, qu'ils y prennent du plaisir. Au-delà de l'expérience, c'est tout ce côté humain qu'il ne faut pas oublier. Quoi. C'est tout ce qui me reste après, de toute façon. C'est cette qualité de communication, de relation, de soutien. I always say that show is my life. Yeah. So before I joined this company, I know that I'm gonna go there and gonna stay for a long time. Then I know that my life now is gonna change, you know. The way I live here, this is the way that I can live anywhere, you know. Anywhere I can live. Yeah. Because before I did this to make people laugh, you know, to make people happy in school, in the street, they call me, Wapo, can you do this? I just do, I make them happy, you know. And then after I become, I grow up, and then I think, what can I do to get money? Mm-hmm. And then I become slowly to make money with what I have, you know, yeah. I need to help my mother, my young brother, you know. It's great, you know. Everywhere we go, we can do this. It's great. So I hope it's gonna be okay. You must be calm down and then be simple. Les gens voient juste l'aboutissement de l'œuvre, donc ils ne savent pas à quoi on fait face à chaque jour de spectacle. On l'a fait aussi, pas juste par rapport à ce qu'on voulait faire, mais par rapport à ce qu'on pouvait faire, par rapport à toutes les contraintes qu'il y avait. On l'a fait ensemble. On s'est battus tous pour la même chose. Un groupe qui avance pendant des années avec le même but et en essayant de faire quelque chose de beau et surtout en essayant de le faire ensemble. Contre le temps, c'est de croire que c'est sur plusieurs générations que nous sommes capables de créer les belles choses, les grandes choses.
Ce ciment qui est l'incontournable amour que nous sommes nés avec. On a eu la chance de pouvoir se parler et se toucher au-delà des gestes, au-delà du toucher, de se toucher autrement, se toucher par l'âme, se toucher par le cœur, par l'amour. Et c'était extrêmement solide.